il est minuit 19. C'est pas grave. Il y en a un qui va pas assumer, toi. Ouais, bon, au pire, j'irai pas me coucher, puis je... j'arriverai bien. Au pire, j'irai pas me coucher. Bah si. Ok, ici, la guerre des flammes. Donc là, c'est un contre 3 à chaque fois. Donc ouais. Un contre 3 à chaque fois ici. On en a un qui a la torche, qui a la flamme olympique. Les trois autres qui ont des pistolets à eau. Le but est d'éteindre la flamme. Ah, en ouais, sachant qu'il y a 30 secondes et l'autre doit tenir les 30 secondes avec sa flamme. D'accord. Ici, nous en avons un au milieu. Nous en avons trois dans les bouées sur chaque côté. Le but est de faire renverser celui qui est au milieu. D'accord. En faisant des charges au sol pour pouvoir faire des vagues à la mienne. Cache crash. Tu peux, en suivant à quelle distance on est, tu peux peut-être reculer ici, te faire un dossier. Oui. Cache crash. Il y en a trois qui se cachent parmi les quatre canons et il y en a un qui doit réussir à trouver où ils sont. Où ils sont, ouais, d'accord. Voilà, il a trois chances. Ok. Gaffe la banane, 3 dans les gros machins, 1 au milieu. Le but pour les gros, c'est de toucher avec les pics celui qui est au milieu. D'accord. Et donc là, il y a un décompte aussi. Sauver Shep Shep. Celui qui est tout seul, il a un enchaînement de touches à faire. Oh là. Les autres, ils sont tous les 3 et ils ont à chaque fois une touche à appuyer pour pouvoir mettre de l'eau dans le gros poisson. D'accord. Voilà. Donc il y a un décompte aussi, mais c'est celui qui est le plus rapide à remplir qui gagne. D'accord. Éclat de ballon, il y en a 3 dans des ballons gonflés, 1 dans la boule à pointe. Le but de celui qui est dans la boule à pointe est de faire péter les ballons des 3 autres. D'accord, ok. Pièce et chocolat, les 3 sont sur le tapis vert, celui qui est tout seul est sur le tapis rose. Je crois que tu dois esquiver les chocolats, tu vas monter genre l'escalier sans trouver les chocolats qui descendent. Ouais, il faut récupérer les chocolats voilà, sans tomber. Voilà, ça, c'est ça. Enfin, les pièces, pardon, pas les chocolats. Les pièces, et tu dois monter et. Ah tu peux pas monter mais il faut que tu récupères les pièces. Il faut que tu récupères les pièces, il faut que voilà, tu avances parce que c'est des tapis roulants. Ouais voilà c'est ça. Donc il faut pas que tu tombes. Ouais, ça, but, c'est tir au but. Tir au but tout simplement. Voilà. Et à boule surprise, on en a un dans le jeu des grappins. Voilà. Le jeu des grappins avec une roue qui tourne. D'accord. Voilà, là c'est très bêtement le jeu des grappins. Qui se met tout seul? Qui? Bah, c'est toi qui choisis. C'est toi qui as choisi. Tout seul. Toute seule? Voilà. Ah. Ramasser un maximum de pièces en esquivant les chocolats. En fait, tu dois récupérer les pièces et esquiver les chocolats parce que sinon. Et les tapis avancent donc il faut que tu avances constamment en fait. Il faut que tu avances constamment. Il y en a qui arrivent aussi sur les côtés pour nous, on est en bas. Voilà. Toi, on a les. Il y a des tapis roulants sur les côtés, toi, là, en bleu. Là, il y en a un en haut. Il faut tout le temps avancer. Ah, c'est horrible. Ah putain, on est coincé. Tu vois, c'est ça la difficulté. Ah, j'ai attrapé aussi le sac. Ah, bien joué. Ouais, c'est pour ça. Donc là, il faut bien choisir. Est-ce qu'on fait plus ouais. facile en équipe ou plus facile tout seul? Ouais, c'est ça. Et ouais. Ok. Et ben, blam. Ouais, il faut bien lever les jambes, vas-y. Non, là, ça va encore, ça monte pas trop les caps, c'est bon. Qu'est-ce qu'on pourra choisir? Ouais, éclat de ballon, pourquoi pas. Ouais. Éclat de ballon, ouais. Bon bah attends, bon après je vais me mettre seul. Et par contre, on va juste attendre. Qu'une troisième personne arrive. Et sinon, profitons-en, vu comme la chance que tu sois là. Ouais. Pour cette année 2019, quel contenu as-tu prévu? Bah là, les deux prochains jeux que je vais faire, ça sera du Black Ops 4 et du PUBG sur PS4 également. Ah,
Alors Black Ops, tu sais que j'ai prévu de faire une série dessus, hein, sur les Black Ops. Ouais. Les Black Ops, les Modern Warfare, enfin pratiquement tous les jeux qui sont dans la pochette là. Ouais, ouais. J'ai prévu de faire les modes histoire en mode Let's Play tout simplement, tout bêtement. Donc, Bah après moi Black Ops 4, j'ai surtout pris pour du solo parce que personnellement j'ai essayé le mode Battle Royale et j'en étais vraiment très très déçu. Mais vraiment très très déçu. C'est moi qui... D'accord, ah ouais. PUBG, j'aime bien les Battle Royale. Et en sachant que Fortnite, j'y joue plus du tout. Parce que, désolé pour ceux qui sont sur le stream d'Izio, pour moi, c'est devenu un jeu de kikou, mais vraiment. Non, mais ça l'est. C'est... Voilà, et je préfère jouer un jeu comme H1Z1 ou maintenant PUBG qui est récemment sorti. Voilà. Et après, il y aura tous les autres jeux habituels sur mon stream qui est également dans ma description. Bah, je te garantis que là, dans peut-être 2 ans, ils vont sortir un nouveau jeu dans le style pareil de. Tu sais, avant c'était Black Ops. Ouais. Voilà, c'est pour ça, c'était les Black Ops. Maintenant c'est. Avant il y avait je sais plus quoi. Non, si je crois que c'est directement passé. Avant Black Ops 4 ? Non, je veux dire les jeux où en fait ils ont sorti les jeux et ces jeux sortis là ont fait ramener tous les kikous. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est ça. D'abord c'était Black Ops. Ouais. Mais je crois qu'il me semble qu'il y en a eu un entre les deux avant la sortie de Fortnite et maintenant c'est Fortnite. Bah on va dire surtout ce qui a fait venir les gens on va dire de plus ou moins enfin les jeux sur Fortnite, la plupart des joueurs c'est les joueurs Minecraft malheureusement. Et non mais si on peut le faire en même temps en fait les joueurs Minecraft avec vu qu'il y a des services toilettes. Hein, tu veux aller aux toilettes? Ah. Et vu que les serveurs Minecraft c'est devenu un peu une tempête vide, hein, il n'y a plus personne. Donc maintenant Fortnite a pris le contrôle, ouais, très clairement a pris le contrôle. Quoi. Mais moi je suis parti de Fortnite parce qu'on m'a proposé donc Creativerse, ouais. Qui est exactement pareil mais mieux en fait. Ouais. Donc là pour le jeu comme je disais tout à l'heure, donc tu vas être dans la boule au milieu. Ouais. Tu te déplaces avec le joystick, mais tu peux aussi sauter. D'accord. Ça aide par exemple pour le changement de direction. Et nous c'est pareil, il faut qu'on. Nous on peut se déplacer qu'en sautant pratiquement. Donc. Toi nous c'est sauter et changer de direction. En fait c'est spam de. Voilà c'est ça. Alors que lui il peut rouler. Moi je peux rouler. Voilà. Moi je suis un gros lème. Roule la boule. Un gros agravalanche. Allez roule ta bille. Allez c'est parti. Salut je m'appelle Bowser. Fais pas de bruit, fais peur. En plus comme de par hasard c'est moi qui ai en face à Voilà. Oh il a éliminé son amoureuse en premier. Joie. Putain la salope elle m'a coincé. Joie. Elle m'a coincé cette salope. Oh. Non mais ça m'énerve ça quand les PNJ te bloquent, ils te coincent. T'es là mais bouge-toi de là, casse-toi. On est d'accord hein. Mais regardez comment le PNJ se déplace. Ouais. Ah ouais, volontiers, ouais. Allez, on recommence. Putain, ça me gonfle, ça. Ça me rappelle très... Vous l'aurez remarqué, éliminé. Les PNJ sur les jeux... Ouais, il a pas été gentil. Ah, mon amoureuse, rien à foutre. Virer en première, tiens, comme ça, on est tranquille. Vas-y. On est théorie du complot, tu sais. Je me fais littéralement... éjecter. Expulsé. Alors... Et encore, comme de par hasard, je suis encore face à lui. Ah oui, mais ça, c'est à disposition. On dirait que le jeu, c'est que je suis. Non, la blonde. La blonde, il faut virer le PNJ d'abord. Ça. Mais t'as pas ton amoureuse. Tiens, chais, tu m'avais poussé tout à l'heure. Comment je l'aime. Mais comment il fait que Attends, j'essaie de la pousser. Trop tard. Bon, bah, maintenant, je vais galérer. Je voulais te la pousser vers toi et. Amour, joie, beauté. Mais pourquoi t'as viré ta chérie, toi? Bah, je sais pas, c'est venu vers moi, j'ai des WhatsApp, pourquoi pas. Oh bah oui, mais. Non, mais ne dis pas qu'elle va t'avoir quand même. Mec, il reste 9 secondes. Mais regarde, elle se déplace, mais clairement bien. Oh putain, non, mais ça, le gars. Non, je vais me faire niquer par le bot, t'es sérieux? Ah bah, je l'ai niqué, Rune 3, je suis désolé. Ouais. Je suis désolé, c'est pas acceptable. Ah, c'est pas possible. C'est pas acceptable, je suis désolé, non. Attends, c'est bien. Pour sauter, mais il faut que tu te déplaces aussi, oui. Ouais, mais nous, c'est juste A. Le joystick est A. Ouais. Ah. Un rebond spécial. Deux fois, je peux pas éjecter par mon chien. Bon, on va essayer de péter le bot. Ça serait déjà bien. Bah,
Mais oui, pète le bot. Essaye de bloquer le bot, ça serait bien. Bah j'hésite de la pousser vers toi et c'est moi qui est dirigé vers toi du coup. Et là j'ai un problème. Ah, chef. En fait, il faut arriver à se mettre sur sa trajectoire et au moment où elle saute, si elle saute sur toi, du coup, elle va rebondir sur toi et elle part dans l'autre sens. Donc la blonde. Voilà. Allez, c'est entre nous cette fois. Et comme de par hasard, après qui court. Elle était bloquée. Non. Non. J'ai fait perdre des faux espoirs, tu sais. Non. Non. Ah oui. 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 La jouissance. Ah oui. Oui. Salut Alice. Salut Alice. J'ai niqué tous les deux filles. Mais parce que j'ai rebondi contre elle. Alors je dis non, non, non. Tu vas arriver toi. Tu vas. Allez-y au gâteau. Moi c'est boule surprise, le but je l'aime pas du tout. Ah ouais? Ouais je l'aime pas, je le trouve nul en vrai. Parce qu'en vrai c'est tout con, mais s'il y en a un qui vise au milieu, un qui vise à droite, l'autre qui vise à gauche, il y a forcément deux buts. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ce truc là. Ouais c'est mieux de faire en 1v1 que du 1v3 quoi. Oui là, le but ouais, ou chacun pour soi toi avec un goal. Ouais voilà c'est ça. Voilà. Mais là non, c'est juste un tir au but alors. C'est un peu dommage. Hein, ouais. Ce mode là il est un peu. Non. Ils l'ont mal fait. Donc là vous allez pouvoir bouger en fait dans vos boules de hamster sur le tapis roulant. D'accord. Voilà. Et moi il faut juste que je vous attrape avec le A. Donc là c'est vraiment le jeu du grappin. C'est en fait si je reste appuyé d'abord ça le déplace et dès que je relâche ça le descend. Donc c'est vraiment le grappin du. Alors là, si je fais n'importe quoi, j'aurai du mal. Ah putain, juste à côté. De toute façon, faut juste se déplacer en roulant, non ? Non ! Ah, mais merde ! Putain, ça se voit que j'ai perdu la main. Non ! Voilà, la première. Allez, ensuite. La deuxième. Voilà. Non, non. Et le troisième. Voilà. Comment es-tu pu perdre ? Je t'en pose la question. Bah là, oui, ça en fait une. Voilà. Le gars qui veut être chiant, tu sais. Mec, toi. Comment as-tu pu perdre ? Je devais me venger. Ça va ? Si tu veux, c'est à qui de choisir ? C'est à toi ? Oui. Holy shit! Bah, si tu peux reprendre. Et... Si tu veux te venger, tu peux, hein. Vas-y, viens, tu veux te venger. Bah, je veux me venger. Ok. Bon, bah, là, elle va me choper. Eh, bah, c'est moi directement. Vas-y, Anaïs, elle va. Ah, bah, t'as dit, tu veux te venger alors. Ouais, ouais, n'importe quoi. Vas-y, la miss. Donc, en fait, tu restes appuyé d'abord sur A, ça le déplace. Et quand tu relâches A, ça le descend. Voilà. Donc, en fait, c'est A pour le. Et A, il a lâché A pour le lancer. J'aime bien le bruitage. Alors d'abord c'est A pour le. Et ensuite c'est A pour le. Moi je suis bruiteur professionnel. T'es bruiteur professionnel. De manette professionnelle. Jean-Michel Bruitage. Appelez-moi Jean-Michel Bruitage. Ah, je suis où moi, d'accord. Ah oui, je l'ai relâché. Ah ouais, non mais là c'est pas cool du coup parce que je suis coincé. Ah ouais. Il est coincé. Non, là y'a personne. Je suis nul, là, c'est dur, en vrai. En fait il faut arriver à trouver le timing pour le lancer, le relâcher. Ouais, Mana. Ah, elle a eu un bot. Ouais, un bot. Ah, je
En fait, le lance pas tout de suite le grappin, toi. Il faut le lancer. Faut prendre le bon moment pour lancer. Non, toi, en fait, c'est ça. Ça, c'est la mauvaise. C'est l'erreur à faire, en fait. Ça. C'est le lancer quand ça, quand rien. Faut le lancer au moment où tu vas attraper. Ouais. Déjà, dans les fêtes foraines, je ne suis pas une joueuse à Eh hey, The Gimme, tu vas y arriver toi, tu crois? Ouais, vas-y, on va tenter. Ouais, hein. On tente, allez. On tente. Ah, bah, lui, il devrait arriver. Non, je pense pas. Bah. Mais toi, c'est tu laisses appuyer sur A pour que le grappin se mette sur le côté, et tu relâches A pour prendre les boules, quoi. Et faut... En fait, c'est juste une question de timing. C'est ça. Pour lancer le grappin, en fait, pour qu'il se déplie. Voilà. C'est le timing. Ça y est, ça parle de boules, elle pense à moi. Oh là là. Oh là 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 là. Oh mince. Mais tu l'as lancé trop tôt le grappin. Jamais. Non. Oh, oh dommage. Oh, non. Jamais de la vie. Oh merde. Non. Ah, là c'est, j'ai oublié de relâcher. Jamais de la vie tu ne mourras. Non. Ah, chouille trop tôt, tu vois. Là tu l'avais, mais un chouille trop tôt, ouais. Bien. Non, merci, trop tôt. Ah bah beaucoup trop tôt. Oui. Beaucoup trop tôt. Ok, il reste 5 secondes entre nous. Oh bah là, c'est trop tard, là, c'est... Voilà. Et winner. Bien joué, bien c'est, non mais c'est en fait c'est là c'est pas moi bien joué, c'est le temps que toi tu comprennes ouais, voilà. Le fonctionnement. C'est pour ça. Qui retourne en arrière surtout et que. Salut Malek, comment vas-tu? Plaisir de te revoir ici mon cher Malek. Oh là là. Bonjour. Comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir. Je suis. Comment vas-tu? Le plaisir de te revoir depuis tout ce temps. Il y a pas mal de nouveautés d'ailleurs. Je crois que ça fait un moment que t'étais venu. Non. Et ça va et toi? Bah la voix cassée. La voix cassée. Ça s'en s'entend. Non, c'est pas moi. Et avec The Gamey et Miss Gamey qui sont là-bas aussi, voilà. D'ailleurs, je crois qu'avant, la dernière fois que tu étais venu, il n'y avait pas encore les sons sur les commandes. Donc si tu veux t'amuser à découvrir les sons des commandes, je te laisse envoyer les commandes pour découvrir les sons qui vont avec. Je saute mon tour, ouais. Du coup. Et Miss, à toi du coup de choisir le jeu. Donc voilà, on a fait là, donc on a l'éclat de ballon, c'est fait. Le chichi, la banane, le crash, la Mados ou la carte. J'ai un mot fléché à vos deux guignes, on va perdre but. C'est ça. Le but qu'on parlait d'avant, qu'on disait que c'était pas. Donc tu veux le faire? Okay. Donc c'est toi au cage? C'est toi au cage alors. C'est moi au cage. D'accord, ok. Ça va être facile. Oui, ça va être facile, je suis au cage. Et bonne année, Malek, bonne année. Et bonne année à vous, à toi aussi. Bonne année, bonne santé et tout le tralala parce que j'en ai marre tout le temps répéter les trucs. Plein de bonheur, plein de donc joie. Toi en fait tu bouges et tu sautes pour essayer de les arrêter et nous en fait c'est avec visé A. Et A. En fait c'est si on maintient enfoncé ça va faire la puissance. D'accord. Donc on peut du même tirer au-dessus de la cage quoi. Oui complètement, c'est ce qui m'arrive à chaque fois moi donc. Ah d'accord. Ah oui, ah bah allez, tu te débrouilles. Miss Loris. Merci à vous aussi. Merci. Si tu veux t'amuser avec les commandes, hein, les sons des commandes, si tu les connais pas, vas-y. Hein. Les commandes se trouvent en dessous du Discord. Du live. Oh, oh la rique, elle m'a foutu. Mais non, mais t'es sérieux? Poteau rentrant. Voilà, et allez, il faut qu'on marque encore 3 buts et on a gagné. Il reste 13 secondes. C'est bon, c'est fini. Alors, les levels, je crois qu'ils fonctionnent plus. Je crois que Mikuya ne fonctionne plus du tout. Ah oui, c'est vrai que parce que j'arrive plus à y accéder en fait. Ouais, t'avais les. J'avais le classement, ouais, et j'arrive plus à y accéder. Donc, je crois que Mikuya a CCA a fini. Mais c'est bizarre parce que moi, la dernière fois, j'ai pu encore aller sur ton truc. Sur ton truc Mikuya, j'ai pu aller. Mais moi, j'arrive pas à y accéder en fait. Mikuya, dès que j'essaie de me connecter, j'arrive pas à accéder à mon profil. Donc, je crois qu'il y a plus Mikuya. Mais du coup, je vais prendre le temps pour cette année 2019 de refaire le classement, mais avec Wizbot, parce que vu comme j'ai payé Wizbot, ouais, bah oui. Je suis en premium, donc je peux utiliser toutes les fonctionnalités, donc je vais
Je vais prendre le temps de refaire le classement avec Wizbot. Et ce qui est bien, c'est que tu pourras mettre l'extension du classement Wizbot en bas dans ta description. Ah ouais, c'est possible. Oui. Mais on est d'accord qu'avec Wizbot, je peux choisir de ne pas mettre des personnes. Exemple, si je veux pas mettre mon modo et mes bots, je peux ne pas les mettre dans le classement. Non, ils sont comptés dedans. Elles sont quand même comptées dedans. Ils sont comptés dedans. Parce qu'en fait, le problème, il est là, justement, c'est que je voulais virer. Ouais. C'est là dans le classement, tu le vois. Il y a mon bot, il y a Sergent Izuki qui est. La bouteille d'eau ? Oui, s'il te plaît. Mais parce que moi, je sais que sur. D'ailleurs, ça sera mon classement, il faudra que je te remette à zéro pour 2019. Malheureusement, moi j'ai tous les bots de Twitch. Donc j'ai Commander Root, j'ai tous les gros bots qu'ils ont mis. Et je les ai tous dedans. Et malheureusement, on peut pas ne pas mettre les bots. C'est je regarde. Il me semblait que je pouvais, faudrait que je les regarde. C'est peut-être que c'est une commande qui m'est réservée, vu comme oui, c'est peut-être pour les premiums. C'est possible. Ouais, regardez, mais il me semblait qu'on pouvait le virer sur le Wizbot. Bon. C'est à toi de choisir le jeu du coup. Qu'est-ce qu'on va pouvoir reprendre? Ah bah Cash Crash. Pourquoi pas? Allez hop! Cash Crash! Là! Allez, let's go! Donc, moi je dois me cacher dans les. Non, toi tu dois deviner! C'est nous, on se cache, voilà! Voilà, c'est ça! Alors, les. Si, tu peux regarder l'écran! Si tu verras pas, nous, c'est sur la manette qu'on va cliquer! Ouais, mais je regarde pas, faut pas que je regarde ma manette alors, parce qu'on sait où ça est. Ah, mais ma manette, tu la verras pas de toute façon! Donc, soit B, soit A, soit X, soit Y pour qu'on se cache! Et toi après t'as 3 chances pour trouver en espérant que si on se met tous les 3 dans le même c'est plus facile pour toi. Si on est chacun dans un, et bien, il suffit que tu te trompes une fois et on a gagné. Voilà. Donc tu peux regarder l'écran, hein, t'inquiète pas, hein, tu peux regarder l'écran. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont pas. Ah toi t'es coincé. Il y en a une qui est coincée. Ah oui, c'est vrai effectivement t'es pas. Ok. Oh non, mais non, comme de par hasard, dis donc. Ouais, mais là, il suffit qu'il y en ait un dans un et deux dans l'autre, et t'as gagné. Faut juste qu'on soit pas tous les trois ou tous ensemble, en fait. Oh non, oh putain, ils sont tous les trois dans un. Non, j'espère pas, honnêtement, j'espère pas. J'espère pas. J'en ai la sensation, mais j'espère pas. Bon, moi je dis au revoir. Voilà. Ah, on était que deux, ça va. On était que deux, ça va. Que elle qui a réussi. Bien joué, Miss. On était que deux. Bien joué, Miss. Bien joué. Oh, la victoire. Ouais, donc il t'abuse un peu. Hein, oh. Et non, mais oh. Et oh. La reine. C'est à toi. C'est à moi. C'est à toi. Les sauver, Chip Chip. Ah, vous êtes tranquille, vous avez juste à une touche appuyée. Donc, ah oui, là, c'est voilà, moi c'est moi qui ai l'enchaînement. Vous allez voir comment c'est galère pour moi. Donc là, il faut bien connaître les touches. Par contre, si c'est le bot qui est en premier chez vous, ah bah, la honte, il va falloir attendre. Ouais. Donc on utilise, c'est toutes les touches sont utilisées. D'accord. L, R, Y, X, B, A. Okay. Il n'y a que Z qui n'est pas utilisé, je crois. Merde, c'était l'autre. Bah attends, je viens de me chier. Voilà. Voilà. En fait, toi, tu dois... T'as la bulle. Wouah, il est plus rapide. Allez, vas-y. Et je me suis chié le premier, hein. Non, merde. Oh, merde. Vas-y. Putain, je suis chié. Quand je connais pas les manettes de la... Ah ouais, il est pas facile, hein, celui-ci. Quand tu connais pas, il est... Merci. J'annonce qu'on avait la botte en premier. Ouais, c'est vrai que la botte elle était lente. Hein. Oh, elle est lente. Hein. Oh. Mais c'est même, et même, moi je connais pas, moi j'ai pas l'habitude des touches GameCube donc c'est un peu compliqué. Tu Ah merde, c'est pas la bonne, c'est celle en haut, c'est celle en bas. Ah oh, merde. Allez, à toi. Deux. Donc toi il faut que tu fasses l'équilibriste au milieu. Et nous il faut qu'on la renverse. Allez hop. Il faut qu'on arrive à la renverser avec.
Donc pour faire une charge au sol, on appuie une fois sur A, ça le lève. Ouais. On rappuie une fois sur A quand il est en l'air et ça fait la charge au sol. Ok. Juste bouger. Et plus tu mets de la distance entre le saut et le moment où tu retiris, ouais, plus la charge au sol est forte. D'accord. Il faut arriver à ne pas être trop contraire en fait, par exemple. Ah oui, en fait, c'est un double saut, quoi. Ouais. Oh bien. Ah, c'est moi. Ouais. Allez. C'est Tava qui l'a retourné, ouais. C'est des travails d'équipe à chaque fois, hein. Dans ceux-là, ouais, c'est 1 contre 3, donc c'est... Ouais, après, c'est, pas un truc plus... c'est soit celui qui est tout seul, soit celui qui sont à 3. Il reste quoi? La guerre de la flamme 2, ça, la fois la banane... Ça... On les a tous fait. Ouais, c'est tout. Ouais. Bah écoute, il reste... bon, à faire... garde des flammes, allez, garde la flamme. Donc nous, pour la rosée, il faut qu'on appuie sur A. Attention, par contre... Il n'y a pas de souci. Attention par contre, parce que le problème c'est qu'en fait il y a un temps de latence. C'est-à-dire que le personnage il s'arrête, ensuite il lève et après il tire avec l'eau. C'est-à-dire que lui, pendant ce temps-là, lui il a le temps de bouger. D'accord. Donc il faut arriver en fait à le coincer pour tirer. Voilà. Et donc c'est A pour tirer avec le pistolet. C'est pour ça que je l'aime. Vous entendez bien sur le stream parce que j'ai mon... je pose le micro. Oui, je pense que oui. J'espère que ça, il n'y aura pas de grésillement sur la rediff. Désolé pour la rediff s'il y a des grésillements. Oui, d'accord. Non, Mario, tu vas te calmer. Non, Mario, aïe. Ah, je me suis fait. Non. Oh, Draco, il est en train de faire sa flamme. Ah merde, j'étais trop tôt, tu m'es passé devant. Ah, oui, bien joué. C'est moi. Bien joué. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est toi, normalement c'est toi. C'est moi qui réussis à t'avoir. Mario, Daisy. Hey, je t'ai suivi bien quand même, hein, j'ai réussi à. Franchement, t'as bien joué. En fait, c'est qu'on court plus vite quand on tire pas, mais bien, il y a ce temps de latence en fait quand il monte après. Mais à un moment, j'ai le bug qui m'a coincé et je fais. Mais bon, j'ai la couture. C'est ça. Non. C'est ça. Bon, bah, reste gaffe à la banane. Moi, c'est à moi de me le cotiner. Ouais, bon. C'est à toi. Il y a un piège, il y a des singes qui sont à gauche et à droite de l'écran qui balancent des bananes. Si vous tombez dessus, vous tombez par terre. En fait, la machine tombe par terre, donc vous perdez, c'est des points de retard, de pénalité. Et si c'est moi qui le prends, c'est moi qui retarde. Et par contre, il y a la super banane. Ça, si c'est vous qui arrivez à l'attraper, c'est génial pour vous parce que ça vous donne une hyper vitesse. D'accord. Donc votre machine va plus vite. Si je dis pas de bêtises, c'est A pour avancer, B pour reculer. Donc. Marche arrière et c'est joystick pour le diriger. D'accord. Okay. C'est un peu comme une voiture, tu sais. Ouais, la marche arrière. Ouais. Avant, arrière. Voilà. Tout bêtement. On vérifie. C'est ça. Avant, arrière. Ça va ? Ça va le... Voilà. Ça, c'est chiant. Et oh, tu... Ouais. Si tu veux, on peut échanger après. Je te laisse le siège. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas fait ce jeu. Voilà, et moi j'ai encore 30 secondes à tenir là. Ah putain de merde! Voilà. Ouais, elle a chopé la. Chapeau. Chapeau, t'as chopé la banane. Ah ouais, sérieux? Ah ouais, elle a chopé la banane. Ah, j'avais pas vu. C'est pour ça en fait qu'elle a accéléré d'un coup. Ok, bon, on peut faire du 2v2. Ah non, 2v2, on est obligé de. 2v2, c'est joueur 1 contre joueur 2. Non, c'est. Non, c'est 1 et 2 contre 3 et contre 3 et 4. Ou 1 et 3 contre 2 et 4, voilà, ou 1 et 3 donc, contre 2 et 4. Donc là, il peut jouer avec le bot contre les deux autres, et ainsi de suite. Non, mais on va faire les battles. On va faire les battles, ouais. Les stories, voilà. Vas-y. Oh, bah, je te propose, si tu veux, on les fait dans l'ordre. Ouais, vas-y, let's go. Hein. Ça sera plus simple. Alors, paf, Boozer, on va...
On va chacun avoir un marteau, d'accord, Les meubles vont se mettre à bouger. Okay. Ensuite, ils vont s'ouvrir et il y a têtes de bouseurs qui vont sortir. C'est un genre de la marmotte. De taupe. La taupe, de la taupe. Okay. Les grosses têtes vaut 2 points, les petites vaut 1 point. D'accord, ok. Donc c'est celui qui a plus de points dans le temps imparti. D'accord. Il faut taper avec A, c'est ça, hein. Ouais. Ok, let's go. Noupé. J'ai pas vu de grosse tête de boozer pour le moment, merde. Ah ouais, je tape à côté, ouais. Oh putain, tu l'as eu. Chapeau, c'est toi qui as gagné. Ouais. T'as eu une grosse tête. Et j'y arrivais pas à choper les deux. Ah ouais. Pardon, ouais. Ça fait 3-4 coups que j'arrive à. Tu sais, où ils sont deux. Et j'en tape un sur les deux, j'arrive pas à me caler au milieu. La jolie, c'est toi qui as gagné. Ok. Ça, c'est un pur jeu de hasard en fait. D'accord. En gros, c'est qu'on va avoir 3 cartes. On va jouer chacun notre tour. Ouais. D'accord. On va avoir 3 cartes dans la main. Okay. Qui sont des instruments de musique. Le but est de réunir 3 fois le même instrument. Au centre de la table, il y a en face cachée des cartes et des instruments. Ah oui, je vais le faire. Et il y a une carte boue, si tu tombes sur la carte boue, en fait ça remélange tes cartes. D'accord. Et c'est le premier qui arrive à avoir les trois mêmes instruments qui gagne. Donc c'est un jeu de hasard. Parce qu'en fait, une fois que ça prend la carte que tu as pris et ça pose la tienne. D'accord, ok. En fait, tu en choisis une parmi les trois, ça va la poser et ça va prendre celle que toi tu vas choisir. D'accord. Et par contre, on peut pas prendre celles qui ont été posées. D'accord, ok. Donc en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un jeu de hasard. D'accord, ok. Sinon, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis The Gimmy, ami de Easy Yoga. J'ai une chaîne Twitch, je ne ferai pas de ma pub. Voilà, ça se fait pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le chat est fait pour ça. Arraché, ouais. Ton temps doit sachant que tes câbles sont. Elle va ressouter sur le lit et. Voilà. On est bon ? Ouais, c'est bon, on est bon. Allez, on y va. Donc, c'est un jeu de hasard ce truc. C'est. Ouais. Tu te souviens de Malek ou pas ? Le Dragono. Hein, Soso ? Malek, le Dragono. Ça te parle ou pas ? Non. Bah, il est venu ce soir. Sérieux ? Ouais. Quand ça faisait longtemps qu'il était pas venu. Donc là, c'est moi qui commence. Bah voilà, hop, comme ça, c'est fait. Je t'aime aussi. Donc là, quand tu vois, t'en as deux, il t'en manque un, ça fait un peu chier de tomber sur le. Descends, assis-toi, ça sera peut-être plus simple, parce que je sais pas ce que tu veux faire. Vas-y. Oh, oh. T'as récupéré la même, c'est ça? Bah, eh ouais. D'accord, bah toi pareil, voilà. Thank you.
en fait, il faut avoir le trio, quoi. C'est ça. Non, tu peux pas prendre celles qui sont déjà retournées, c'est ça. Oh non! Ça, c'est... Ah, c'est carotte. C'est carotte le cœur. Ah bah non, tu vas la voir. Non, je peux pas la prendre. Ah bah voilà. Voilà, c'est bon. GG. GG à toi. Merci bien, merci. C'est, GG à celui-ci, c'est un pur jeu de hasard en fait. Ah, c'est... Ouais, c'est... T'as pas toi, ça aurait été un mémo? Ok, mais là. C'est pour ça qu'il y en a que je préfère moins. L'archéologo, celui-ci je l'adore. Alors, on va s'affronter en fait. Il va y avoir des figures géométriques. D'accord. Qui vont sortir de là où tu vois les petits pions. D'accord. Enfin, les petits. Les petits. Ouais, enfin, les. Comment ça s'appelle? Les petits boutons, on va dire. D'accord, ouais, d'accord. Ok. Il faut trouver celui qui est différent des autres et aller appuyer sur le bouton qui correspond. C'est-à-dire celui qui est en dessous en fait. D'accord, ok. Sur le bouton d'en dessous. Celui qui en arrive à en faire 3, il gagne. Voilà. Ah oui, je suis loyal, hein, j'explique les. Voilà. Alors, la lumière. Ah, bof. Ok, d'accord. Alors, des fois, il y a des coups comme ça où c'est un peu salaud parce qu'il est en face de toi, la pièce. Aïe. Celui qui est différent des autres, hein. Ah, je redis. Oui, oui, oui. Celui qui est différent. Voilà. Ah, bien, t'as tourné autour, ouais. Ouais, j'ai vu, j'avais pas vu. T'as vu à la dernière minute. Tes souhaits. Non, c'est lui parce qu'ils ont tous un petit et un gros. Et lui, il y a deux gros. Et ouais, t'as vu. C'est des petits pièges comme ça. Hein. Aïe. Ça, il faut bien regarder les pièces et ensuite. J'ai vu deux gros, j'ai dit, ah, peut-être c'est pas ça. Et finalement. Et bah, si, c'est celui, toi. Il faut regarder toutes les pièces, c'est pour ça. Mais j'ai regardé. Ouais. Plus gros que les autres, j'ai fait. Ah bah c'est celui-là là. Eh ben non. C'est pas grave. Je t'envoie. Alors lui aussi c'est un petit jeu de chance. Il faut en fait il va. Tu vois là où il y a les ronds. Ouais. Et bah dans ces ronds là il va y avoir des pions. D'accord. Qui sont face cachée. Ok. La valeur ça peut être de 5, 10, 3, moins 5, moins 10. D'accord. Il y a des 20 aussi. D'accord. Des plus 20. Le premier qui arrive à 50 points il gagne. D'accord, ok. Donc en fait si on va faire chacun notre tour, on va se diriger vers un pion au hasard. On fait donc une charge au sol, donc 2 fois A, ouais. Ça le retourne et ça additionne ou ça soustrait. Oh, voilà. Ça va être beau. Donc c'est du hasard aussi. Ouais, totalement du hasard. Voilà. Alors. Et là c'est pareil, on a un décompte avant. Alors. Donc il y a 2 moins 5 et 1 moins 10. Bah, ils ont mélangé, évidemment. Ça serait trop facile. Oh, mais non ! C'est le GG. Deux fois, ouais. Non, c'est un moins 10. Oh non, ouais. Oh non. Là, si je chope encore un 10, j'ai gagné. Ah, merde. Oh, tu chopes 5, tu gagnes. Hein. Là, c'est serré. Yes. 51. 51-45, c'était serré. Ah ouais. C'était serré. Le moins 5, il est arrivé pratiquement au bon moment. Okay. Et enfin celui-ci que j'adore. Le Samba Combat. Alors ouais, donc là en fait on va avoir chacun la même plateforme à chaque fois. Mmh. C'est en 3 étapes. Et le but est de mettre une petite carapace dans les trous. Ah, en bougeant le joystick.
Ok, d'accord. Alors, un conseil, ne fais pas comme comme la mise que j'ai vue la dernière fois, qui elle, en fait, elle a enclenché le joystick dans un sens et est restée coincée. En fait, c'est vraiment des... si tu veux, en fait, le truc, il reste pas stable. D'accord, ok. Donc, si tu veux, en fait, c'est des à-coups qu'il faut donner. Ouais, donc, en gros, ton joystick est toujours en mouvement, en fait. Ouais, c'est comme ça, quoi. Non, toujours en mouvement, réellement. C'est... Tu vas vite comprendre. Ok, d'accord. Let's go. Donc, il y a trois plateaux différents. Ok. Et c'est l'isopane que j'ai pris parce que comme j'ai mal à la gorge. Voilà. Placement de produit. Oh, pff. Attention, c'est parti. Attends, ah oui, d'accord. Ah, c'est un jeu de précision. Oh, GG. Voilà. Ouais. Oh, en fait, non, t'as passé le 1 juste avant moi et ensuite je t'ai dépassé. Mais en fait, c'est celui du milieu, j'arrivais pas, il arrêtait pas de tourner autour. Allez, mais ça, c'est de la précision. Donc, c'est pour ça que je dis que ton joystick en fait est toujours en mouvement. Ouais, c'est ça. Non, parce que. Ouais, en fait, c'est une planche qui est en balance quoi. Ouais, fait. C'est ça. C'est en balance. Ok. Voilà. Ok, ok. Ah, est-ce que maintenant on doit attendre ou pas? Est-ce qu'on doit attendre les deux demoiselles ou... Et ce que t'as pas fait, c'est par rapport au solo, ça, en fait. Ce que y a les points d'interrogation. Les points d'interrogation que t'as... Ah, il faut faire la suite du... D'accord. De l'histoire, en fait. Il faut que je fasse la suite de l'histoire pour les débloquer. D'accord. Alors, moi, il y en a un que j'aime particulièrement. C'est le donjon pas bon. Le donjon ? Ouais, le donjon pas bon. D'accord. En fait, c'est un 2v2. Ouais. Ok, là. Ah, le donjon pas bon, ok. Et le but, en fait, est de sortir du donjon. Et donc, il y a plusieurs obstacles. D'abord, il y a des murs où il faut appuyer rapidement sur la touche. D'accord. Pour faire baisser le mur. Ouais. Ensuite, il y a des passerelles. Donc là, il faut sauter sur la passerelle. Donc là, il y en a deux. Ouais. Et ensuite, c'est les tuyaux. Il faut trouver le bon tuyau. Ah ouais, c'est... Et c'est par équipe, voilà. Et c'est par équipe, donc c'est l'équipe qui sort le plus vite qui gagne. D'accord, ok. Eh bah, dis donc. Voilà. Pêche au chip-chip, bah là, il faut. C'est la pêche au poisson. L'équipe qui pêche le plus de poissons gagne. Ça, il n'y a pas de principe. Burger de l'amour. Ouais, j'ai déjà essayé, je comprends pas le principe. Ah, est-ce que c'est pas style faire son propre hamburger ou. Il n'y a peut-être pas un schéma d'hamburger et... J'ai pas vu de schéma, j'ai rien vu. Ce truc que je me suis dit, tiens, c'est peut-être à chaque fois. En fait, c'est à chaque fois deux éléments qui sont chauds. D'accord. Mais au départ, je me disais, c'est peut-être les deux identiques. Mais en fait, non. T'as dit deux éléments chauds, t'as dit. Deux éléments qui sont chauds. Je pense que parce qu'ils y font chauffer. Genre, des fois, c'est la glace ou des fois, c'est. Enfin, je sais pas, c'est. Quand tu regardes les trucs, les passerelles, il y en a un qui est rouge, donc ça doit être chaud. Et ceux en bleu, c'est ceux qui sont glacés. Non, parce qu'en fait, t'as une équipe en bleu, une équipe en rouge. Ah oui, d'accord, ok, ouais, donc ça, c'est oui, d'accord. Okay. Et en fait, il faut en trouver deux à chaque fois. Mais. Si, attends, il y a. Je vois un truc. Vas-y. Peut-être, parce que je viens de voir, il y a des panneaux en haut. Peut-être qu'il affiche sur les panneaux les trucs qu'il faut trouver. Parce que j'ai pas trouvé le mécanique de celui-ci en fait. Toi, ils te disent peut-être. Je sais pas. Toi, tu passes une commande que vous devez trouver. Ah putain. Avant l'autre équipe, c'est en 3 manches gagnant. Donc il l'indique. Je l'ai jamais vu. En fait, comme... J'ai jamais vu qu'il indiquait en fait. En fait, c'est comme les jeux de cuisine qu'il y a sur les jeux Facebook, les trucs comme ça. C'est moi, j'essaie de trouver à chaque fois les mêmes trucs. Il l'indique où? Donc en fait, il faut d'abord essayer de mémoriser les trucs. Et ensuite, toi, il le marque où? Ah, deux frites. Ah ouais. Donc là, il faut essayer de se souvenir où sont les deux frites. D'accord, là, je comprends la logique. Ah, il était là. Ok. Attends. Là, moi, j'ai les deux bols. Je suis les deux bols. Les deux bols, ils sont juste à côté de toi. Ok, c'est pas les bols, on s'en fout. Non, c'est un bol ça. Ah merde. Oh. Ah dommage. J'ai trouvé au hasard. D'accord. Ah ouais, donc là j'ai compris. Ok.
Je vais suivre les deux machins qui sont devant moi. Ok, moi j'ai pris les deux gâteaux qui sont en face de moi. Yes, j'ai un gâteau, c'est bon. Le bol, je sais pas où il est le bol. Bah voilà. Je prends les deux bols. Ok, il y a un bol là, l'autre il est séparé de deux. Yes, c'est bon, c'est les bols. Là. Voilà. D'accord, donc là j'ai compris. Je voyais pas qu'il y avait un panneau qui l'indiquait les trucs en fait. C'est comme il y a des jeux Facebook ou des jeux de cuisine où ils t'indiquent la recette. Voilà, ils indiquent la recette dans des bulles. Oui, je l'adore ces trucs. Et après tu dois faire la recette et après tu as un certain temps. C'est les burgers machin, les pizzas trucs et tout. Filles, et bah j'adore ces jeux là, à chaque fois je les fais ces jeux là. Moi j'y joue, mais des fois c'est tellement prise de tête parce que ça va trop vite, t'as le personnage en mode oui, puis, allez dépêche-toi, bah, voilà, et puis tu vois leur niveau, ils s'énervent, après ils dégagent et tout. Des fois ça cuit doucement, après plus tu dois monter les niveaux, tu peux augmenter. Bah justement, tu dois t'avancer en fait. Moi ce que je fais, c'est quand je fais les trucs de burger, c'est que tu sais, des fois t'as deux fours, donc je fais cuire mes pains, comme ça ils sont prêts, ensuite je vais les chercher. Tu sais, quand je vois que je passe la commande, je vois qu'il a commandé passer, je lance la viande, viande, une ou deux viandes et tout, et je vais chercher le pain, je récupère la viande dès que c'est prêt, je saisonne et tout, je vais chercher d'autres commandes. En fait, c'est de l'organisation c'est une rapidité et de l'organisation en même temps. Et après, le truc, c'est. Après, des fois, ça va tellement vite parce que les trucs, tu dis, oh bah, je fais les deux trucs là parce qu'elle va prendre un burger, et au final, le pain il crame ou t'as le steak qui crame, tu fais. Et merde. C'est ça. Oh bah poubelle. Alors après en plus des fois ils demandent des glaces ou des boissons, des machins, des trucs. Et après tu dois courir à droite à gauche. Les frites aussi. Au début c'est toujours facile et après t'as 50 000 trucs que tu fais. Alors il veut une glace, une frite, un machin. Bon bah ça va être compliqué là. J'espère que t'es patient mon coco. Après moi ce que je fais c'est qu'en fait quand je vois il y en a un, tu sais, même si t'as un fil, le gars il vient d'arriver, il a un truc, celui qui est devant, je lui ai servi un truc sur ses trois, et bah tu sais pendant que le deuxième truc est en train de se préparer, je vais servir le truc de un à l'autre qui vient d'arriver. En fait vraiment c'est de l'organisation, mais j'adore ces trucs là. Tu sais la gestion comme ça, j'adore les jeux de gestion. C'est pour ça Farming Simulator, Retruck et tout, toi. Age of Empires. Age of Empires aussi. Le pire c'est que Age of Empires c'est un jeu gratuit, non? Non, je l'ai acheté. Ah non, je me trompe avec Forge of Empires. Forge of Empires. Ouais. Ce jeu là il est gratuit par contre. Bah j'y jouais et en fait vu comme c'est, j'y suis pas allé pendant un moment, ils m'ont supprimé mon compte. Ah ouais? Ouais. Ça fait combien de temps que t'étais plus allé dessus? Je sais pas, 2 mois, 3 mois. Tu sais, quand ça fait un moment que tu vas pas dessus, il te l'enlève après, c'est un truc automatique. Oh mais. Mais par contre, je suis sur Elvenar depuis un moment. J'ai aussi Elvenar. Ah ouais? Je suis aussi sur Elvenar. Faut que tu me montres alors. Ouais, mais putain, tu me disais qu'au bout de 2-3 mois, moi ça, je crois que ça fait dépasser 2-3 mois que je suis plus dessus. Je vais aller dessus, je vais faire. Hein? Il est où mon compte? Tiens, si on va pouvoir s'entraîner. Vas-y. Sur celui-ci. Même si on n'a pas de réel adversaire du coup, parce que. Ah, ça bouge pas quoi, à part le bot. Bah voilà. À passer les... Okay. Les différentes étapes, ouais, je t'ai dit, d'abord c'est le mur. Ok. Ok, donc là tu dois aller jusqu'à la poignée que tu vois, tu te mets en face, t'appuies rapidement sur B. Okay. Sans t'arrêter, vas-y, voilà. Hey, le bot, il est bugué ? Bah, il peut pas avancer parce qu'il faudrait que son coéquipier avance. Avance jusqu'au mur pour toi. Si on arrive à battre le record, ça peut être pas mal. Ça marche pas en fait, t'es obligé de. Alors je vais le faire moi pour que tu puisses. Alors je sais pas si t'as l'habitude avec les plateformes en mouvement. Voilà, en fait faut que t'arrives à sauter dessus. Alors quand t'es avec le bot lui il arrête pas de tourner les plateformes. Voilà. Moi je suis gentil, j'arrête les plateformes. Il faut que t'appuies sur A pour sauter. Voilà. Merde. Oh merde. C'est pas grave, t'inquiète. Attends, je te mets. Ah vas-y, tu peux y aller, hein. Tu peux même pas arrêter, moi je suis habitué. Je suis habitué avec le bot. Okay.
Ouais. Oh, mais what? J'ai appuyé sur J'ai appuyé sur Ah, je suis trop tard, ouais. Voilà, et là maintenant c'est les. Voilà, donc là il faut trouver. Donc chacun part dans une direction et il faut trouver le bon en fait. Donc c'est pas celui-ci. C'est pas celui-là. Ah, t'as trouvé. Voilà. Là c'est pareil. Donc en fait il faut arriver à se départager. Et ok, c'est pas lui. C'est pas lui. Non, je l'ai fait celui du milieu. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. T'es pas passé. Voilà. En fait, c'est ça, il faut communiquer pour voir que. Et là, donc, il faut appuyer rapidement, simultanément, L et R. Ouais. Mario, il fait doucement et t'as. Ouais, mais je fais des plus grosses bulles. Regarde. Je fais des grosses bulles, c'est pour ça. Je reviens, j'arrive, le stream, j'arrive. Clac. Oh mince. Oh mince. Oh. Clap, bonjour. Clap, bonjour. On s'est dit, nous, pendant, nous, pour les grossesses, on a fait beaucoup de choses, la tout ce qui est pilule, etc. Ouais. Moment grossesse. Belle petite noisette. Oui. Je sais. Très bien. Très gênant, c'est les ça. Gens, les gens du stream, si un jour vous trouvez quelqu'un comme mon chéri, vous aurez vraiment trouvé le bon. Ouf, tu dis ça. Oui, c'est vrai. Alors, celui-ci, je l'aime et nous bien. Nous sommes fiancés. Non, je rigole. on peut se mettre ensemble. En fait, on est une couleur, d'accord. Toi, comme sur le schéma, on va être une couleur. Et il faut trouver. Voilà, il y a, y en a, y a une caisse, c'est la clé, et l'autre caisse, c'est le coffre. Ok, d'accord. Ah mais toc d'hygiène. Toc d'hygiène, hein. Tu me connais, hein, tu sais ce qui va se passer demain. Ouais, va laver les draps. Donc on peut vous afficher la carte, sauf que si t'affiches la carte, ça te met pas le. Ça te met l'emplacement, mais ça te met pas le labyrinthe. C'est ça le piège en fait. Okay. Donc il faut arriver à savoir nous on est quoi, quelle couleur rouge. On est rouge, ok. Il faut aller à l'autre bout. Merci. Forcément, à chaque fois, je me fais avoir. Voilà. T'as trouvé lequel? T'as trouvé lequel, celui du bas ou celui du haut? Du bas. Du bas, ok. Alors, je cherche actuellement le haut. Alors, suis-moi parce que c'est forcément dans le sens par là, je pense. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Où est-ce qu'il. Non. Ouais, j'ai vu. En fait, non, il est pas au-dessus, regarde-toi. L'ouverture, elle est au-dessus. Regarde-toi, là, c'est fermé. C'est le long de ce mur-là, en fait. Il reste 5, 4, 3. Ah, on va la voir, vas-y, on va la voir, c'est bon, allez. Ah, on est à côté. C'est ça. On retente ? Allez, let's go. Je t'aime aussi. Donc, on est l'équipe rouge. Il faut regarder où sont. Il faut regarder le schéma de les. Ok, c'est bon, je vais choper celui qui est en haut. Donc là, c'est dans ce sens-là, voilà. Ah, mince. Bah, j'ai trouvé le. Ah non, faut pas que je passe là.
une partie. Non. Ah non, il y a la PPU, je me suis chié. Je suis passé en bas, j'aurais dû passer en haut en fait. J'aurais dû continuer la ligne du haut. Je vais bientôt avoir le mien. C'est bon, je l'ai. Non, regarde, toi, je suis passé à côté. Hein. Et voilà. Elle te fait du pied. Oh. Il y en a un qui triche. Vous savez ce qui vous attend. Elle a la tête dans la télé. Non, la télé, non. Non, on est pas. Je peux plus jouer sinon. Oh, la fille, Tu pourrais pas jouer à Fallout 76. Hein. Alors, si... 4. À 74. Quoi. Là, on peut se faire le donjon pas bon. Tu te mets avec ta chérie, je me mets avec le bot. Vas-y. Non, c'est Fallout 76, mais là, je joue à Fallout 4. Oui. Ah oui, là, tu joues à Fallout 4. Oui. En ce moment, ouais, je joue au... Il va tout expliquer. Au début, t'as des murs. Il faut, t'as des. À un moment, t'as des. Comment on appelle ça? Des trucs à tourner. Les plateformes. Non, des trucs pour descendre le mur. Ah, le mur. Une manette. Des manettes. Si des manettes pour tourner. Pour tourner et pour descendre le mur. Et après, moi, je vais faire pareil pour toi et ainsi de suite. Voilà, ouais. c'est de la coopération. Voilà. Après, okay, ils vont se crier dessus. Après, ça va être magnifique comme spectacle à voir. Faudra que je monte sur le premier. Faut que tu me ramènes de l'autre côté. Et avec une autre manivelle, faudra que toi tu montes sur un des ronds pour que je te tourne et que je ramène de pareil. Bon, si on allume les deux, ouais. Oui, j'ai tout suivi. T'as compris? Pas de soucis. Elle a rien suivi. Quelqu'un éteint de la grande? Attends. Ouais, c'est quelque chose. Voilà. Ça va mieux pour toi? Merci maman. Hop là, je t'en prie. Alors, bouger, sauter, A, B pour... Ah, je suis heureuse avec toi, Mimi. Ah, il y a beaucoup de rôles. Mais non, t'inquiète, c'est facile. T'inquiète, c'est facile. Et toi, c'est que tu donnes les touches. Dès que tu seras devant la nouvelle, tu te donnes les touches. Vous êtes l'équipe bleue? Ouais. On est à gauche, on est à droite. Alors, toi, tu dois aller à la manivelle là-haut. Et tu dois. Ma pilule, je vais prendre la fin de mes règles. Oui, 3 jours après le début de tes règles. Devant le minerve, Mon 3e jour. Ça fait aujourd'hui. Ah, oui. Ah, d'accord, ok. Ah, bah oui. Ça, je ne savais pas ça. Vas-y, je t'ai dit. Hein. Ok, là, on va pouvoir admirer à quel point ils arrivent à communiquer ensemble. Et si j'y arrive pas, à quel point ils vont se gueuler dessus? Mais tu m'as pas dit ça! Mais si, mais non, c'est pas vrai! Donc là, j'aime lui dire, si elle oublie, c'est qu'une scène blonde. Ah, mais au fait, on avait jamais vu le visage de Miss Gamey. Non. Ni de moi. Bah, toi, si, sur tes lives. Ah non, moi j'ai pas la caméra. J'ai pas la caméra. Moi. Alors, messieurs, dames, allez sur The Gamey. Ah, c'est une super fait. Chaîne Twitch également. Voilà, va sur le truc. Et tu sautes. Mais il fallait jusqu'au bout, il faut pas hésiter à... Oui, c'est ce que je fais, hein. Voilà. Voilà. Oh, mais... Il faut sauter aussi. Voilà, maintenant tu prends la manie. Ah bah tu dois recommencer. Oh, génial. Mais non, mais... Elle arrive pas à jouer avec une manette. J'arrive pas à gérer les deux. Bah, c'est bon. Vas-y, saute de côté. Maintenant, tu peux pareil là. Attends.